La cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique a donné le ton et décrit les attentes de ce salon. Le directeur général de l'OAPI a rappelé l'historique de la création de ce salon et a donné son importance pour les inventeurs africains. Le Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique a été institué depuis plus de deux décennies avec pour objectif d'évaluer le niveau de créativité en Afrique, du moins pour ce qui concerne les États membres. Promouvoir l'esprit inventif et offrir un plateau d'échange entre les inventeurs et les opérateurs économiques. En ce temps de pandémie mondiale de la COVID-19, le ministre d'État, ministre de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public, a rappelé la contribution des inventeurs africains pour éradiquer cette maladie. Cette édition, chacun le sait, se tient dans un contexte particulier, marqué par la crise sanitaire de la COVID-19, puis le SAID, en sa 8e édition, être l'une des occasions offertes au génie africain de contribuer à relever par l'innovation le défi de l'éradication de cette pandémie de coronavirus COVID-19. Cette exposition de plus de 80 inventions de 60 inventeurs des entreprises africaines sera clôturée le 17 octobre.